Coucou tout le monde. Donc je vous fais une petite vidéo rapide parce que en fait je comptais pas faire de vidéo aujourd'hui parce que je pense que vous l'entendez un peu à ma voix. Ma maladie ne s'arrange pas du tout et j'ai la voix qui commence à être un peu cassée aujourd'hui. Mais en allant à la mairie hein, ce matin, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai surprise Marie en train de pioncer au boulot, hein, comme quoi les fonctionnaires. Hein. Bref, je plaisante bien sûr. Donc je voulais vous faire cette petite vidéo quand même. Voilà, j'ai pris sur moi, je me suis dit tant pis, c'est pas grave. Même si j'ai la voix un peu cassée, ils comprendront. Donc voilà, je vais vous faire voir ce qui se passe quand on surprend Marie en train de dormir au boulot. Voilà. Allez, réveille-toi. Excusez-moi, j'ai très très mal à la gorge. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc on a débloqué le salon de détente. Voilà comment on débloque le salon de détente. Alors, par contre, je n'ai pas beaucoup plus de précision sur la façon de débloquer, enfin, de la façon de débloquer le fait que Marie dorme à son boulot. Tout ce que je sais, c'est les quelques petites infos que j'ai eues sur Internet en me renseignant. J'ai vu qu'il fallait qu'on soit maire de notre ville pendant au moins une semaine. Ou alors. Pardon. qui faille qu'on fasse. Je sais pas trop si c'est très français. Au moins une Wi-Fi dans la ville de quelqu'un. Donc c'est vrai que bah avec ce personnage, je suis allée à Kanda plusieurs fois. Et puis ça fait plus d'une semaine que je suis maire de la ville. Enfin que j'ai pris mes fonctions. Donc voilà, donc je peux pas confirmer si c'est vrai ou faux, je pense que c'est vrai. Hein. Donc du coup, maintenant qu'on l'a réveillée et qu'elle nous a mis le salon de détente dans notre liste, on va vérifier. Ah bah tiens, on va faire l'inauguration du campement ensemble. Voilà, je l'avais pas fait. Et après on ira voir la liste. Voilà, une inauguration de construction en direct. Alors, hop là. Et voilà, petite photo souvenir. Ok, c'est cool. Bon, on va retourner à la mairie vite fait. Et du coup, bah, je vais vous faire voir la liste. Pardon. Donc, je comptais aujourd'hui juste démolir un pont. Et du coup, bah, en entrant à la mairie, j'ai vu que Marie dormait. Donc, je me suis dit, c'est con de rater ça. Il faut que je le filme. Tant pis pour mon état. C'est pas grave. Alors, hop là. Alors, travaux publics. Et nouveau chantier. Donc, on va regarder ce qu'on a débloqué. Voilà. Salon de détente. Voilà. Donc, il n'y a pas de. Donc ça coûte un peu cher, j'ai pas encore les sous sur moi, enfin j'ai des poissons à vendre dans la bourriche, je suis allée faire
des sous hier soir sur l'île. Donc vous inquiétez pas, la vidéo sur l'île, je vous la ferai bien, mais je vais attendre quelques jours que, que ma gorge se remette un petit peu. Bon, bah, je crois que j'avais rien débloqué de plus, hein. Vous voyez, c'est vraiment le premier truc que je débloque. Bah écoutez, je pense que je vais le mettre en construction tout de suite, parce que j'ai hâte de le débloquer. Oh, pardon. C'est parti. Voilà. Ça me fera un truc de plus ouvert dans ma rue commerçante. Donc, bah non. Oh, excusez-moi pour les raclements de gorge, mais pas pratique. Donc on va voir tout de suite où se place le gyroïde, parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent. J'ai vu sur certains commentaires, sur internet, dans des forums et tout ça, j'ai vu beaucoup de monde qui cherchait en fait où se placer le gyroïde. Alors bah, c'est tout bête, hein. Marie vous le dit, il suffit de lire ce qu'elle vous dit. Hop, il se met à la gare, hein, tout bêtement. Donc c'est sûr, on peut chercher dans le village, hein, on ne trouvera pas. Voilà, il est là, notre cher gyroïde. Ok. Mince, j'étais un peu trop vite. Je voulais faire un premier versement. C'est pas grave, on recommence. Oui, c'est bon, je sais. Allez. Donc on va déjà donner tout ce que j'ai, hein, parce que j'ai plein de trucs à vendre dans ma bourriche. Donc je me fais pas de soucis. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Voilà, donc déjà c'est un premier versement. Donc sur ce, bah, je vais vous laisser là, hein. Je vais aller me reposer. Reposer ma voix aussi. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, j'espère que vous n'êtes pas malade. Et puis à bientôt. Bye bye.